Yo, bienvenue dans Fallout 4, dans l'épisode 62, je crois. Et salut. Je viens te filer un truc bizarre. Alors que vous n'aviez pas suivi la moindre formation et qu'on ne savait rien de vous, Dez a décidé de vous inviter dans notre QG. J'aurais apprécié qu'elle m'en parle d'abord en ma qualité d'adjoint. Mais ce qui est fait, est fait. Comme vous êtes là, autant mettre vos talents à profit. Ah, en effet, mon talent. J'ai tellement de talents. Pardon. Vous avez besoin, docteur. Un de nos agents de terrain, le vieux Stockton, a besoin d'aide avec un synthétique en fuite. H2-22. Oh, H2-22. Ah, ça. C'est au QG de régler tous les problèmes. Vu que personne n'est capable c'est, de s'occuper c'est presque ça. Ce vieux fou paranoïaque n'a rien voulu nous expliquer. Il va falloir recueillir les informations dans l'une de nos boîtes aux lettres mortes. De te quoi, tu quoi? C'est quoi une boîte aux lettres morte? Oh, Seigneur. C'est une boîte aux lettres qui porte un signal ferroviaire. Il s'agit d'un moyen de communication que nous employons fréquemment. Alors, ouvrez l'œil. Quand vous établirez le contact avec Stockton, il vous demandera... Vous pouvez me faire confiance. Je m'en charge. Essayez de ne pas vous planter trop là. Non, le mec, il parle aussi. Visez le tunnel. Enfoiré. Bon alors, donc, voilà, j'ai un nouveau style de mission. Maintenant, je travaille pour les mecs du réseau du rail. Putain, j'ai trop de boulot quoi, c'est abusé. Mais dans un premier temps, bon, on va complètement ignorer ces gens là pour l'instant. Parce que déjà je les aime pas et je veux pas que ça foute. Donc on va se concentrer plutôt sur du coup notre zone principale. En l'occurrence donc les chevaliers de l'ordre du Phénix, qui sont en fait la confrérie de l'acier, voilà. Oui, donc on va aller voir du coup nos amis de la confrérie de l'acier pour leur remettre un peu ce qu'ils veulent, tout ça. Ça fait quand même un moment qu'on n'y a pas été, donc bon, tant qu'à faire, on peut bien leur rendre une petite visite. C'est toujours aussi chiant pour sortir d'ici. Ah, ça fait plaisir de jouer. Bien, nous avons des choses à faire. Des gens à voir et des monstres à tuer. Mais pour ça, il faut déjà que le chargement finisse. Allez, voilà. Ouh, bon. Alors. Oui, il y a ça aussi à gérer, ça on verra plus tard. Tac. Et tac. Pour une guérison rapide et efficace de votre santé, ainsi que des petites blessures. Que des parties blessées de votre corps, rien ne vaut un petit Steampack. Steampack, viens donc voir Steampack. Steampack. Ah putain. J'espère que votre cabot sait faire ses besoins. Hey, pas de mon chien comme ça là. Espèce de biatch. C'est ton armure. Alors, je vais d'abord aller voir le chef, savoir s'il a quelque chose à me dire. Et s'il a rien à me dire, tant mieux. J'imagine que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien d'une coïncidence. Non, mais ça je sais. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du Paladin Dance ont détecté des signaux énergétiques pour le moins singuliers. D'après nos scribes, ces signaux indiquent un niveau technologique dont seul l'Institut est capable. À la lumière de cette information, notre mission nous a semblé couler de source. L'Institut et tous les responsables de la création des synthétiques doivent être éliminés, quoi qu'il en coûte. Pour atteindre cet objectif, nous devons localiser leur terminal. J'ai demandé à nos scribes de passer le Commonwealth au Ben Fin, mais ils n'ont rien trouvé. Clic. Ah ça y est, oh putain. Est-ce qu'ils ne servent à rien, par où commencer? Par où je commence? Je veux que vous soyez nos... J'ai là. Ok. Si vous trouvez le moyen, avez-vous des questions? Non. Non, pas de questions. Une suggestion? Vous avez une idée pour la... Ce que vous avez trouvé sur le chasseur à Green Tech pourrait nous être utile. Vous devriez l'apporter à quelqu'un capable d'analyser la technologie de l'Institut. Qui sait, vous pourriez mettre cette information. Et y avait-il autre chose? Non. Pas pour l'instant, aîné. Très bien. Bien. Ignorance totale. Je m'en bats les steaks. Ah, pourtant, je suis resté l'écouter pour rien, quoi. Je pensais qu'il allait me dire, ouais, j'ai une 4 pour toi et tout, tu vas bien s'amuser, machin, mais non, pas du tout, hein. Juste Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. Pour moi. Ah, chevalier, vous avez des documents techniques pour moi, peut-être?
Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche? Ah bah les deux, j'ai des documents. J'ai trouvé des documents techniques. Mais ils sont en parfait état. Voici les capsules. Oh, 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 oh. Fouillez de fond en comble. Ouais, attends, attends. Quinlan. Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être? Non, non. Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche? Ouais, plutôt une patrouille, ouais. Je peux m'occuper d'autres patrouilles. Bien, bien. Ce serait du gâchis. Le scribe qui vous a été affecté vous rejoindra à l'aéroport. Ah putain, oui, c'était ses quêtes à lui, c'est vrai. Waouh, le scribe qui était... Oh merde, pardon, le scribe qui était mort. Qui était mort totalement chez moi. C'est vrai, c'est vrai. Foncez tête baissée, toutes armes dehors, c'est un excellent moyen. Salut Dance. Comment une machine peut croire qu'elle est vivante? C'est ridicule. Ah, salut. Excusez-moi, connétable Tiga. Vous revoilà. Alors, les fermiers ont accepté de coopérer? Oh bah, oui. Oui, la récolte. Beau travail. Voilà les capsules. Prévenez-moi quand vous aurez envie d'en... Je sais bien que ce n'est pas très prestigieux comme mission, mais... Ouais. Vous commencez... Apparemment. Ça marche. Ça marche. Je m'en... La ferme est... Ouais, tu veux que j'aille envoyer des gens encore faire chier des gens, hein? T'aimes bien faire chier des gens, toi. Équipez-moi. Toutes mes armes. Équipez-moi, s'il te plaît, carrément, quoi. Alors, déjà, on va se débarrasser de ça parce que j'aime pas. Des mines et capsules, aucun intérêt. Et ce truc-là. Alors, ça m'intéresse un peu, pour le coup. Pour remplacer peut-être Snip. Mais c'est parce que Snip, il a une assez bonne cadence de tir. Lui, c'est un 3 de cadence de tir, c'est vraiment de la merde. Même s'il est plus précis, il fait un peu plus mal. Franchement, non. Voilà. T'es dit, c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans que je pourrais enlever? Ça, je m'en fous. C'était un faux filet, je me suis gouré. Hop, voilà. C'est tout. Merci, à plus. Allons-y, Canigo, on a du boulot. Ne vous en faites pas. Vous finirez par vous habituer à dormir sous d'énormes conteneurs de gaz hautement inflammables. Non, mais je dors jamais chez toi, mec, hein, c'est mort. Je vais faire me casser, quoi. Ting, 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 ting. Pardon, chevalier. Pardon, dame. Est-ce que je peux essayer de sauter? Quoi? T'es sérieux? Ici? Oh, c'est mort, j'entends pas. J'en viens. Voler. Oui! Alors. Je dois demander a priori à quelqu'un. Bonjour. Vous trouvez des documents techniques? Pensez à les apporter. Ouais, non, je m'en fous de ça. J'ai besoin. Alors, attends. Wait. On va essayer d'être plus simple. Oula, alors retrouver la boîte aux lettres, parler au scribe de la confrérie et nourrir machin. Alors déjà toi. Toi t'es juste là, t'es à côté, t'es par là. Ouais, t'es pas à côté du tout en fait. C'est quoi, c'est une sortie de secours? On peut dire ça comme ça. Ah, te voilà. Salut. On peut y aller? Ouais. Allons-y. D'accord. Voilà la zone. Passez. Alors, l'usine de montage de corps, machin truc. Alors, c'est encore le machin là-bas, là où je l'ai fait tuer le dernier scribe qui est passé avec moi. Mais c'est pas grave. Toi, je m'en fous. Hop. Et hop. Bon, espérons que je la garde un peu plus en vie cette fois-ci. Ce serait cool. Waouh, c'est quoi ce truc là? C'est un lance-roquette? Ah. Ouais, il est très intéressant lui. Nous y v'là, t'es où? Allez. Pardon. Je suis fier d'être sous les ordres de l'aîné Maxson. J'en avais assez de Lions, ces IFC.
Il y a des gens ici, attends. Ça fait longtemps. Oh putain, je l'ai complètement raté. Oh là 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 là. Ah bah. Ok. Ah bah. Ok. Mission accomplie. Pardon. Pas de pitié. Quoi tu tiens? Cible abattue. Bien joué. Alors tu viens? Incroyable ça. Ah, je pense assez haut. T'es sérieux, tu attaques de là-haut? Merde, j'étais perdu. T'inquiète, moi je l'ai. Oh bam, ta gueule. Bon, si on y allait, hein. Même si je suis déjà venu ici plusieurs fois. Hop. On va pas t'en s'occuper de tous ces mecs. Ah. Excellent. C'est l'heure tu fight. Ah, par contre t'es gentil, je vais juste changer d'arme à nouveau parce que ici ça va être plus la merde. Je vais prendre Bob. Bon. Je me... Oh. Est-ce que ça va? Saleté de ghoul sauvage. Les radiations ont un drôle de sens de l'humour. Ouais, on vient juste de se prendre une explosion, je sais pas d'où, mais... Putain, mais... toi bien, c'est juste un singe qui me fait chier. Pourvu que ce soit pas encore des ghouls. Ah non, non, c'est pas des ghouls, je te rassure. Chut. J'ai entendu quelque chose. Bah on m'a tiré dessus dans le dos ou je rêve? Je vais te trouver. Qu'est-ce qu'il a vraiment vu quelque chose? Fin du combat. Bien joué. Je crois que tu l'as fait fondre. Oula. Je crois que ce sera différent avec toi. Ah oui. Ah là là, ces gens. Descendez-les tous. Oui, madame. Aïe. Encore une victoire pour la confrérie. Oh merde, j'ai pris un truc en plus, bon c'est pas grave. Bonjour messieurs, dames. Je ne fais que passer. Qu'est-ce qu'on doit faire ici au fait? Neutralisé. À part tuer tout le monde, je vois pas trop. Qui va là? Où ils sont passés? Man, une grenade. Bon, d'accord. Bam. Bam. Et bam. Oh, viens, j'ai raté le dernier. Ah, plus de balles. Wait. Oh, j'ai du bastos, je peux niquer bastos pour ça. Ah putain, je rage. Hop, on va déverrouiller ça. Il y a des munes, ça m'intéresse. C'est bête parce qu'au final, j'ai beaucoup exploré et je suis déjà venu ici. Mais vous voyez, c'est au final, j'y retourne quand même. Ah, c'est l'effet de l'armure, hein. Ça fait tousser à force de qu'il y ait de, hop là, qu'il y ait des radiations, tout ça, c'est compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Ah bah si tu veux t'amuser avec nous, ouais, pas de soucis, je peux te faire une place. Hein,
Je suis là. Prépare-toi à tirer. Encore. Cessez le feu. Oh. Pardon, je crois que je t'ai légèrement enlevé un bout de ton corps. Ah. Drogue. Joli. Hop là, un cartouche de 45, ouais. Caisse en bois. Ça y est. Bon, là-bas c'est un truc à la con, on s'en fout. Hein. De toute façon, je connais la zone par cœur, presque. Hop, toi tu meurs. T'as pas le droit de crever. En effet, pas grâce à toi, mais en effet. Mettez votre cran de sûreté. Ah, les ghouls, les ghouls, les ghouls. Bon, continuons, voulez-vous? Voilà. Il nous reste un endroit à visiter. C'est là-haut, là où il y a le boss. C'est éblouissant. Bonjour, monsieur, dame. Je me souviens d'une mort très particulière ici. C'est con parce que je suis en train d'y retourner actuellement. Mais bon. Avec ça. Là. Accessoirement, j'avais essayé de monter. Mais j'avais galéré. Ah, robot. Ah, c'est con, j'ai perdu le script de vue et... Eh, merde. Putain, script de merde. Tu casses... Oh, bon. Lol, en fait c'est juste un bouton. Je crois que je l'avais dans l'épisode où j'ai galéré, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. Putain, elle commence à me casser les couilles cette quête. Ce que j'ai pas du tout, mais alors du tout envie de me la refaire. Attends, fusion retrait. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Voilà, je vais charger la partie. Ligne de montage. Hop, et je me la refais. Voilà. Et pour vous éviter du coup de vous retaper encore une fois les mêmes mecs faibles en plus accessoirement, je vais tous les buter. Voilà, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ah, voilà. Donc hop, on retourne dans mon armure. Où est-ce que j'étais en train de... de regarder le terminal. Vous vous rendez compte que les synthétiques remplacent les humains. On l'a pas encore fini. Conforme. Ça me rend malade. C'est Bob qui est là. Merde, c'était quoi ça? C'est moi, je suis au-dessus de vous les gars. Bon, je vais devoir descendre si je veux vous tuer. Venez-vous battre. J'arrive, j'arrive. Attends, il y a un PC, j'ai jamais vu. C'est pour activer sûrement le protectotron.
Tu rages, Kanigou. Au passage, hop, tac, voilà. Alors, il y a des gens que j'ai pas encore tués, à ce qui paraît. Là-bas. Hop. Je suis à moi, Minus. Sécurisez la zone. Par ici, par ici. C'est ma gueule, toi. Je cesse le feu. Voilà. Bon, hop, on s'en fout hein, du reste. On va descendre en là-haut, là-bas, là. Hop, tac. Alors, tac. Ça j'ai déjà tout lu donc ça sert à rien. Ah ça y est, allons. Génial. Hey. Bonjour chevalier. Quoi ça y est, on a fini là, non? J'ai déjà utilisé un minigun. Ça découpe les goules sauvages comme du papier mâché. Non, c'est pas fini? Attends. Wait. C'était. Protéger les scripts de la confrérie. Certains scripts jusqu'au lieu d'usine, machin. Ah, parce que tu dois. D'accord, ok. Bon, on peut protéger. Voici les données. J'avais jamais vu qu'il y avait cet endroit ici. Bon bah on va sortir par là a priori, hein. Y a un chemin donc. Bah voilà, on a fait les quêtes. Ah la saleté quoi, putain m'a résisté pendant je sais pas combien de temps. Pfff. Bon d'accord, deux fois. J'ai dû la recommencer deux fois. Dont un chargement et un abandon. Ah, ah putain. Enfin un abandon et un chargement dans l'ordre, mais bon c'est pas. Bon bah voilà, alors au passage on a quand même deux niveaux à mettre, je sais pas où les mettre encore. Mais bon, on va les mettre vite fait, hop. Ah, où est-ce qu'on atterrit? Oh, on est où là? A priori on est derrière le bâtiment. Bon, pas peine de rester là, hop, tac, jip, jip. On va y retourner direct. Ah merde, j'aurais dû d'abord aller voir le... Ouais, j'avoue, non, j'étais con là. Bon. Ouais, non, on va faire un double. Bon, voilà, deux secondes. Voilà. Voilà. Donc, finalement, hop, on s'est téléporté ici. Vous avez pas l'air d'être là pour faire du troc. Non, pas vraiment. Enfin. Attends. Peut-être plus tard. Du coup, je crois que mon niveau va me servir. Ouais, je crois que ma... Mon évolution en charisme, vous voyez. Vous voulez vous gagner un point de charisme. Voilà, je suis pro charisme. Et au passage, qu'est-ce que ça me donne à la fin, ce truc-là? Intimidation et dompteur. Non, là... Ça a rien changé du tout, c'est quoi cette merde? Non, c'est mort. Pardon. Vous n'avez rien vu, voilà. Je voulais mettre 2 points charisme histoire de pouvoir le convaincre. A priori, j'ai pas réussi. Donc, je vais quand même essayer. Voilà, faire un don, s'il te plaît. Ah, bah ça marchait, bah c'est très bien. Voilà, voilà. C'est parfait. Ok, donc ça c'est fait. Donc, je disais, on va mettre 2 points. Donc, pas du tout là où je voulais les mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? ça me servirait pas. C'est clair, j'ai déjà 2. Là, je suis au max. Dans scientifique, peut-être.
Ouais, scientifique, je pense que ça peut être sympa. Pourquoi je peux pas? Ah merde! Ah merde, non! Non, bah non! Attends. Je crois que c'est la pire connerie que j'ai eue. Ouais, il a pris 2 points charisme, c'est mort. C'est mort! C'est mort, te dis-je, c'est mort! Je ne veux pas! I don't want! Oh, quel anglais! Merci! I don't want. Je veux pas. Là, c'est le silence. Ah là 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 là. Non, non, bah non, c'est mort. Je vais paniquer 2 points d'XP alors que je peux faire 100 quoi. Faut pas déconner. Alors, donc, on va retourner au machin là, tout en bas. Hop, tac. Ah! Non, je disais. Putain. Tac, tac. Voilà. Oui, du coup là on est en mode chargement ultime hein. On fait que ça depuis tout à l'heure, je sais, mais c'est pas grave. Voilà, parce que de toute façon les chargements hein, ça fait partie des jeux hein. Souvenez-vous l'époque sur PS1 ou même bien avant pour les plus vieux d'entre vous qui galérait du coup sur les chargements qui durent des plombes. Ah moi je me souviens hein. Pff, c'est une casse-couille. Habitant, je te parle. Aurais-tu l'habilité de te lever? Merci. Habitant, je te parle de... je te spawn. Excuse-moi. Oula, tu viens de te TP. Fais-moi un don, ok. Merci beaucoup. J'apprécie. Au revoir. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, enlève-moi le putain de marqueur. Retirer. Hop, tac. Voilà. Et finalement, on va là. Voilà. Et il faut que je réfléchisse du coup à où est-ce qu'on va mettre les points. Donc effectivement, je pensais les mettre dans science. Parce que je sais pas où les mettre ailleurs en fait. Et je crois qu'on va les mettre dans science. Parce que c'est cool. Ouais. Ouais, science c'est cool. Alors, tac. Tac. Ouais, on va regarder tout en bas déjà si on peut faire autre chose. L'effet de l'alcool sont doublés. C'est à dire quoi que je peux prendre plus. Ah, c'est peut-être intéressant aussi ça pour le poids. Vos chances, votre chance augmente de 3 lorsque vous êtes sous l'effet d'alcool. Non, ça m'intéresse pas par contre. Il y avait un truc aussi anti-drogue, si je me souviens bien. Je sais pas où il est par contre. Oui, il y a ça aussi qui est pas mal. Ah, je sais pas où il est le truc anti-drogue. J'avais vu ça il y a un moment. Mais je sais pas. Ah, attends. Non. Ah, attends. Ah, bah voilà, c'est ça. Mais je peux pas parce qu'il me manque un point en endurance. Eh bah fuck, meilleur point d'endurance. Voilà. Ah, incroyable ça. Non, oui, voilà. Hop, tac. Bon, c'est parfait, bon, on a fait deux quêtes d'un coup. Oui, fuck, on a assez de machin. J'en ai affronté deux, ça le fait pas chier. Hop. Donc c'est parfait. Donc, hop, 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 c'est pas par là que je veux aller. Voilà, on va monter là-haut, là, comme des gentils petits monteurs d'escalier à échelle, ce que tu veux. On va aller voir Bob. J'arrête avec Bob. On va aller voir le scribe. Attention, ceci est un rappel. Toute technologie récupérée doit être immédiatement remise au connétable Quinlan pour évaluation. Oui, absolument. Absolument. Ah. En possession de matériel technologique non répertorié. J'ai quelques documents. Ils ont l'air. Voici les. N'oubliez pas. Fouillez de fond. D'accord. Connétable Quinlan. Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être? Non, je voudrais faire une petite recherche, mais ceux qui voient. Ouais, plutôt une patrouille. Je peux m'occuper d'autres. Bien. Rejoignez le. Vous devrez l'escorter et la protéger pendant qu'elle recueillera les données. Et surtout. Ok. Ok. Pousse-toi! Qu'est-ce qui vous préoccupe, ça? Que tu me barres la route, enculé! Bonjour, chevalier. Alors. Que de terrible. Je suis malade. Alors, oui. Tech. Vous êtes du genre. Ouais. Voici. Si vous ces fermiers ne savent pas la chance qu'ils ont. Ah bon. Ils ne risquent pas leur. T'as d'autres trucs? Comment je vous. D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Voilà l'endroit où il faut aller. Je m'en fous, hein. Somerville, mais je l'ai pas déjà convaincu, Somerville. Vous feriez bien de rester en tête. Votre instinct semble excellent. En effet, merci du conseil.
Ah. Ouais, ce sera vraiment un épisode très... Marre-toi là. Très... chargement. Bon, très bien, on est assez papioté, hein. Papioté. Oui. Exactement, merci. Tu dis la même chose qu'une script que j'ai rencontrée il y a pas si longtemps. Alors, tac et tac. Donc on va aller voir un peu la ferme pour commencer. Bah attends, j'en viens de celle-là. Oh putain. Je crois que je vais arrêter ce genre de quête. Ça devient stupide. Bon, en même temps, je fais beaucoup de quêtes qui sont toujours les mêmes. Mais oui, j'en viens, putain, c'est quoi cette merde? Hé, hey, connard! J'aime pas te dire de faire un don, là. Voilà, bah je te le redis, t'as eu. Parce que je suis un connard. Ah putain, bon bref, on arrête ces quêtes à la merde. Ces quêtes à la merde. On va chercher... non, ça on s'en fout. On va chercher ces pièces. Voilà, on va aller là. Voilà, ça y est, on va enfin faire... Vous n'avez pas encore espéré. On va enfin faire un truc intéressant. Là non plus. Et là non plus. Ok, putain, on va partir de là, vers le sud. On va en avoir pour des plombes à explorer. C'est génial. Oh la vache. C'est un compagnon tombe au combat. Utilise un simpac pour lui remettre sur pied. Oh, Kanigou. Que le magnan. Et le magnan. Ah oh, bah oui, hein. Faire accroche papouille. Hein. Ah bah oui. Oh putain. Ah, j'ai une soif. Dans ce cas, je prends une bouteille d'eau pure. Et j'ai plus d'eau. Oula. On s'en fout, on va vers le sud. Là, voilà. Allons-y. C'est quoi ça là-bas? Un pillard enragé. Ça va bien. Non, non. Bam. Et bam. J'ai touché une fois. Deux fois. Zéro fois. Plus qu'une, mais il est mort. Je sais pas comment, mais il est mort. Bon, pendant qu'on y est, on va vider un peu la zone des pillards. Hein, tant qu'à faire. Ouah, le mec, il vient en courant, normal. Tiens. Tiens, Yézi. Oula. Ouah, grenade. Tu l'as tué. Bien sûr que je l'ai tué, et toi, est-ce que je peux te tuer aussi? Oh. Putain, mais ils font plein de petits camps, j'ai l'impression, ces mecs. Hein. Celui-là non plus, je m'en souvenais pas qu'il existait. Oh, pas mal de grenades. Hein. Bon bref, le sud on a dit. Bon, tant qu'en faire, on va passer par l'espèce d'église chelou d'à côté là. Ça sert d'exploration. Mais non, peut-être pas, on verra. Ouah, c'est quoi ce mur? Ah, tiens, c'est le symbole de nos potes. A priori, il y a un contact pas loin. Welcome trader. Trader, ça veut dire qu'il y a des... Il y a un marchand dans le coin? University Point. Oh les putes! Allez, monte ta tête là. Wow! Ouah, mais d'où tu sors toi? Plus c'est un soldat, vas-y, tiens. Voilà. Oula. Bon, ok. C'est l'heure de changer d'arme. On va prendre l'autorité des justes. Ouah, mais je leur fais que dalle de dégâts. What the fuck? What the fuck? Ils sont d'un niveau nettement plus élevé que les que ceux que j'ai affrontés précédemment. Le bâtard a disparu. Qu'est-ce que t'es moche? Ah ouais, ils sont super protégés eux. Des renforts. Oh. Vas-y, attaque-le. Merde, je suis tombé. Merci
Les mecs. Vous m'avez été d'une aide tellement précieuse. Oh là là. Ah là là. Allumez-les. Allumez. Pardon. J'en suis tombé à la renverse. Putain, 4 quoi. 4. C'est chaud, c'est chaud. Réacteur à fusion, mon gars. Ah, ça fait plaisir. Je me fais devenir finalement. Bon, allez hop, on se casse. Allons voir ailleurs si on n'y est pas. Et si on n'y est pas, on aura de la chance. Oh, c'est carrément une usine. Un pompeur, quoi. C'est encore là, mais qu'est-ce qu'il cherche? Signal d'urgence. Ouais. Alors. Où mène cette porte? Vous le saurez après l'avoir ouverte. Ça y est. À l'extérieur, ok, super, c'était cool. Truc super utile. Il doit y avoir un terminal pas loin. En effet, juste ici, pourquoi? Alors, je veux joindre l'autre accès car la fusée me demande de mush. Ahem. Je veux y aller. Putain, mais. Incroyable ça! C'est une balle! Oui, la balle il aime! Fell! Oh putain! Fell! Bill! Espèce d'enculé! Donc, soit c'est le B et le 2L dans ce cas-là, c'est kill! J'y suis! Ah! Putain! Saloperie! La cover partie devait critiquer quoi? J'ai pas le temps de voir. Bon bah écoutez, finalement on va explorer, c'était pas prévu. Enfin si, c'était légèrement prévu par mon intuition, n'est-ce pas? Mais je pensais pas aussi vite. Non! Pas de radio. Parce qu'après je vais me faire engueuler. Ah, t'as te faire engueuler par qui? Par Piqueur. Faut vraiment que j'arrête. Oh putain, bon alors qu'est-ce qu'on vient foutre là? A priori c'est très costume. C'est très une porte sécurisée. Et un gros terminal. Waouh, mais où est-ce que je suis tombé quoi? Bouteille de Nuka. Attends, y'a rien. Bah écoute, on va acheter un yeux. Ça me semble assez intéressant. What? True, non. Name, non. C'était Zad sûrement, bon c'est pas grave. Alors, Slid, ça va rien dire Slid. Game, ouais, game j'aime bien. News, non plus, va te faire enculer. Alors, Lohan. Ori Lolo. Zan. On aime ce genre de conneries. Rock. Care. World. Est-ce que tu vas t'ouvrir, City, s'il te plaît? Ah bah, City, on en a un. Bon, on va essayer de... Nine. C'est bon. Ah, quand même. Accès à l'information interdit, accès au coffre dépôt réservé aux emplois de la... Attends, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a gardé la thune, c'est ça? Ah, c'est pas devant, Kanigo. Ouais, c'est ça, c'est... C'est de la thune. Si on peut. Oh, je sens qu'il va y avoir du lourd. Oh, je sens qu'il va y avoir du lourd ici. Finalement, on a bien fait de venir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un compensateur. Je suis à combien de poids? Pff, on prend tout. Ah ouais, là, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. La la la. La 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 la. J'aurais vous what là? J'ai fait tout le pâté. Quand même. Génial. Hop là, j'ai même pas regardé ce que j'ai pris, on s'en fout. Là y'a rien, là y'a rien. Ah. Hop là. Ouais. Un bouton?
Un bouton. Pardon. Ah, avant d'appuyer sur le bouton, on va déjà regarder ce qu'il y a ailleurs. Là, j'ai tout pris. Là, je crois que j'ai tout pris. Ok, un bouton. Pourquoi pas. Ok, ça sent l'exploration. Y'a rien d'autre. Ok, allons-y. Putain, mais où est-ce que je suis. Document technique, j'ai vu. Ouais. Où est-ce que je suis tombé, quoi. Support à anneau. Ah, pardon, c'est ça, oui, d'accord. J'ai pris un truc. Un prototype potentiel infini. Parfait. What? Capacité de munitions illimited. Waouh. Attends, ça veut dire quoi que ces espaces de munitions? Ah, pourquoi il y a des munitions à côté alors? C'est quoi cette merde? Eh, c'est quoi cette merde? Genre de recherche. Problème de confinement. Ah, ça, on s'en fout. Modèle de dispersion amélioré. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite des recherches. Avant de partir. D'accord, ça m'est pas très utile tout ça. Alors par contre, attends, je vais regarder ce que c'est le fameux machin que j'en ai à voir là, parce que libérateur. C'est un PP7. Oh, wow, la valeur qu'il a le PP7. Oh putain, ouais, d'accord, ok, ça. Alors, attends, c'est un 10 mm, il est comme Bob. Je vais m'équiper de Bob, on va voir avec le libérateur ce qu'il a de différent. Ok, c'est de la merde. Je me disais aussi. Alors le truc là, ça m'intrigue. Capacité de munitions illimitées, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah non, c'est capacité de munitions illimitées. Ah putain, oui, on a jamais besoin de recharger. Oh putain, j'ai dû comprendre. Waouh, c'est chaud. Alors attends, à la place, avec l'autorité des justes. 33, 36, portée à 200 et quelques, il est une moins bonne portée. Il pourrait être intéressant le prototype UP77 là. Si j'arrive à l'améliorer, ouais, il y a moyen qu'il soit très intéressant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du coup un truc d'amélioration dans le coin? J'ai vu un établi, est-ce que c'est pour les armes? Oui, c'est parfait. Ah. Bon, on verra plus tard, j'améliorerai à la maison. Bah, je crois qu'il y a un autre à récupérer ici. Hein. Ah merde, ah d'accord, c'est de la sortie, mais du coup ils sont. Ok, bon, pas grave. Ah. Ah. Très intéressant tout ça. Je suis content d'être venu. Bon, cassos. On a assez papillonné. Par contre, ouais, l'arme que j'ai, finalement, je l'aime bien. S'il y a moyen que je puisse l'améliorer tranquillement, ça peut être très efficace. Sinon, bah tant pis. Bon, par contre, sur ce, je pense je vais vous laisser. Et du coup, pour le prochain épisode, eh bien, on va aller vers le sud. Voilà donc. Bah oui, mais t'as trouvé quoi? Des cadavres? Super. Tu vois autre chose toi? T'es nul comme chien. Bon bref, allez, sur ce... Ah, peut-être là-haut, attends. Sur ce, je vais voir là-haut et après on se quitte. Voilà, c'est que des portes fermées. Ok, on va aller voir plus haut encore une fois. On a un terminal. Terminal du maire? Ah. Éjecter la bande. Réunion du conseil. On va écouter la bande. Non, c'était là-dedans. Réunion du conseil. C'était pas du tout là. C'était dans le divers, là. Réunion du conseil, je disais. Responsable du conseil municipal.
général, je déclare cette réunion ouverte. Sont présents ce soir Perry Owens, Gerald Spencer, Sylvia Cooper, ainsi que moi-même, Bert Strickland, en tant que responsable... Strickland de... Oh merde, putain, c'est comme dans... Pourquoi cette réunion, Bert? Il faut que je rentre les blés, moi. Hier, j'ai reçu une visite... Autant voir le futur. J'ai réussi oui, j'ai mis un temps de lag. Une partie de la conversation et je tiens à ce que vous l'écoutiez. Hier, j'ai reçu une visite pour le moins perturbante. J'ai réussi à enregistrer une partie de la conversation et je tiens à ce que vous l'écoutiez. Ne vous moquez pas de moi. On sait qu'une fille du coin a trouvé des données d'avant-guerre sur les recherches énergétiques. Et vous allez nous les remettre. Je ne vois rien de tout ça dans mes registres. Qu'est-ce que vous voulez déjà ? Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Nous ne sommes que des fermiers et des pêcheurs. Écoutez, je suis quelqu'un de raisonnable. Mais l'Institut veut ces données. Je vous laisse 2 jours pour me les remettre. Après, j'emploierai la manière forte. Oh non, Jacqueline. Qu'est-ce que ta fille a encore fait, Gérald ? Oh boum, ta gueule! Ah pardon, hein. Pendant qu'il cause. Mais je ne crois pas qu'elle ait trouvé quoi que ce soit au final. Comment ça se fait que je leur fais des dégâts sur la durée? On parlait à un marchand la semaine dernière. Elle lui parlait de quelque chose. Ah putain, des dégâts d'hémorragie. Lol. Si elle le vendait à Diamond City. Écoutez, laissez-moi lui parler. Qu'on sache si elle a ses données ou pas. Assieds-toi, Pete. Il faut qu'on garde notre sang-froid. Ne parlez surtout pas de cette histoire pour le moment. Il faut éviter tout mouvement de panique. C'était une maman, a priori. Je vais laisser le nid comme il est. Désolé pour la mère, hein, l'écorcheur, il va devoir naître tranquille. Ouais, j'ai dit que j'arrêtais, voilà. Donc sur ce, à plus pour l'épisode suivant. C'était Blackie dans Fallout 4. Ouh.